Bonjour, aujourd'hui je reprends en titre, comme vous pouvez le voir, l'intitulé du roman de Michel Houellebecq, Soumission. Soumission, c'est exactement ce que nous sommes maintenant, des petits États soumis aux États-Unis, soumis à l'Europe, soumis à des pouvoirs qui nous dépassent complètement. Pour débuter cette revue de presse, nous allons en Ukraine. À Lviv, dans le nord-ouest de l'Ukraine, l'obscurité est devenue monnaie courante, tout comme le ronronnement de ses générateurs qui permettent d'apporter un peu d'électricité dans les commerces. Dans la capitale, où les températures sont désormais proches de zéro, environ 70% de la population restait privée d'électricité jeudi, et l'approvisionnement en eau a été rétabli selon la mairie. Le ciblage des infrastructures énergétiques par la Russie est visible depuis l'espace. Les éclairages des villes ukrainiennes perdant en intensité au fur et à mesure de la guerre, d'après ces images de la NASA. Les générateurs comme celui-ci sont donc une solution. Il permet d'alimenter en énergie un hôpital de Kramatorsk, dans le Donbass. Alors c'est grâce à la télévision chinoise que l'on apprend que les négociations sur le gaz, sur le prix du gaz en Europe, ont échoué. Grâce à qui? Grâce à l'Allemagne. Les nations de l'Union européenne n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur une proposition de plafonnement du prix du gaz à 275 euros par mégawattheure. Les ministres de l'énergie se sont réunis en urgence jeudi. Ils ont débattu de l'efficacité du plafonnement des prix à ce niveau et de son impact sur l'approvisionnement et des incitations à réduire la consommation. Pas moins de 15 États du bloc des 27 nations veulent une limite fixe pour contenir les coûts énergétiques. En août, les prix du gaz avaient atteint des sommets, mais l'Allemagne et les Pays-Bas sont à la tête d'un autre groupe qui veut s'assurer que les navires d'approvisionnement en gaz ne contournent pas l'Europe parce qu'ils peuvent obtenir de meilleurs prix ailleurs. Les diplomates ont déclaré qu'une autre réunion était prévue pour le 13 décembre. La crise énergétique a débuté après que la Russie avait coupé ses approvisionnements à l'Europe à la suite des sanctions occidentales liées au conflit entre la Russie et l'Ukraine. Le président russe Poutine a prévenu que le plafonnement des prix du pétrole pour la Russie aurait de graves conséquences sur le marché mondial de l'énergie. Le parquet national financier a ouvert deux enquêtes très distinctes sur le financement de la campagne, des campagnes plutôt, électorales de M. Macron. Emmanuel Macron et McKinsey, rappelez-vous, McKinsey. Vous allez revenir, Philippe, sur le parquet national financier qui ouvre finalement deux informations judiciaires sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron 2017 et 2022 en lien avec l'affaire McKinsey. Éclairez-nous précisément alors. En effet, si j'ose dire, tout part d'une commission sénatoriale qui a été organisée et qui a abouti à certaines conclusions. Ensuite, vous le savez, il y a une enquête préliminaire qui a été engagée contre le cabinet McKinsey, notamment pour fraude fiscale et blanchiment aggravé. Et à la suite de ces deux actes, en octobre, deux informations sont ouvertes, alors que l'enquête préliminaire contre McKinsey se poursuit. Mais l'essentiel, c'est de savoir que deux informations ont été ouvertes au cours du mois d'octobre 2022. La première concernant les comptes de campagne, pour aller vite, et la seconde renvoyant éventuellement à des problèmes de conflit d'intérêts, corruption, retour d'ascenseur, si j'ose cette familiarité. Oui, pourquoi aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une explication? Pourquoi non, mais on apprend ça en fait et ça se fait en dans ce bah là dans les jours qui viennent. Je ne vous apprendrai pas, Patrick Roger, que la justice n'est pas expéditive en France. Et parfois elle peut aller vite dans certains cas, on l'a vu. Dans d'autres, évidemment, c'est beaucoup plus malheureusement, long. Mais il me semble que là, on peut se réjouir du fait que après avoir pensé que cette polémique était enterrée d'une certaine manière, eh bien, elle ressurgit
judiciairement et que deux informations vont permettre à des juges, à deux ou trois juges par affaire, d'instruire et à charge ou à décharge. Et bien sûr, il y a une présomption d'innocence qui continue à courir. Oui, mais alors qui va être visé? Parce que le président de la République, quand il est en exercice, il est protégé, lui. Oui, immunité. Vous avez raison, imaginons que des présomptions graves soient portées à l'encontre du président, on fera comme pour les précédents Nicolas Sarkozy ou Jacques Chirac, c'est-à-dire qu'à la fin de son mandat, en 2027, il pourra éventuellement être poursuivi, voire condamné pour les actes. Mais aujourd'hui. Oui, et là, par exemple, est-ce que si les juges voulaient l'entendre, est-ce qu'ils peuvent l'entendre dans le cadre de l'enquête? Non, je ne crois pas. Non, Il ne peut pas être entendu. Il ne peut pas être entendu et il est protégé durant son mandat à partir de la précaution élémentaire que si on faisait peser en permanence sur un président en pleine activité une épée de Damoclès judiciaire, sa crédibilité, sa légitimité de président serait trop affecté. Oui, absolument. En tout cas, c'est une question que nous vous posons aussi sur les réseaux sociaux autour de cette affaire, hein, McKinsey. Vous faites confiance au PNF, au Parquet National Financier, pour mener à bien les enquêtes sur les comptes de campagne d'Emmanuel Macron, oui ou non? Et vous répondez non à 87%. Vous dites que... Et là, Philippe Bilger, vous dites que non, il n'y a pas de raison. Non, il n'y a pas de raison, d'autant plus que j'ai cru comprendre que c'est l'un des magistrats saisis va être le juge Tournaire. Et on n'a pas de raison de douter de l'efficacité de ces informations à partir du moment où le PNF a décidé de les ouvrir. Oui, mais alors, est-ce que ça peut être enterré si, en revanche, s'il n'y avait rien, quoi, aussi? Bien sûr, ça c'est j'espère que cette affaire, ces affaires qui peuvent apparaître extraordinaires parce qu'elles visent évidemment à la fois le cabinet McKinsey et d'une certaine manière le président de la République, vont suivre, alors là j'insiste sur l'adverbe, ordinairement leur cours. Ouais. Mais il n'y a pas de raison que nos auditeurs doutent par principe de l'efficacité de ces informations. André Berkoff se penche aujourd'hui sur une enquête très, très intéressante. Qui décide, en fait, si telle ou telle information est vraie ou fausse? Vous savez, les fake news. Écoutez bien, ça vaut vraiment le coup. Bonjour Idriss Aberkane. Bonjour. Bonjour Idriss. Alors, Idriss Aberkane, justement, là, vous avez fait, ce n'est pas la première fois, ce ne sera pas la dernière fois, vous avez fait l'actualité en ce moment avec les fact-checkers. Alors, je rappelle que les fact-checkers, pour traduire ça en bon français, ce sont ceux d'associations, organismes, institutions, petits groupes ou autres, qui consistent à vérifier les informations pour savoir si elles sont vraies ou pas. Alors ça, vous savez, c'est vieux comme le monde, la fausse information, le bourrage de crâne, ça n'a pas attendu les réseaux sociaux, mais là, effectivement, avec les réseaux sociaux, ça s'est amplifié dans un sens comme dans un autre. Alors Idriss Aberkane, vous avez eu affaire avec Fact and Furious, l'un qui traque les, entre guillemets, conspirateurs ou conspirationnistes. Alors, peut-être on devrait parler, qu'est-ce que c'est que c'est cette industrie, petite industrie artisanat du fact-checking? Alors, vous faites bien de dire que c'est une industrie, parce que les révélations que nous avons faites, donc c'est une double enquête. Nous avons enquêté séparément, chacun dans notre coin, moi-même et François. Oui. Et puis ensuite, nous avons décidé de mutualiser nos moyens parce que l'affaire qui a éclaté était beaucoup trop énorme. Et donc, il fallait vraiment, là, en particulier que l'on protégeât cette témoin clé, Malika Daoust, lanceuse d'alerte, et qui a donc fait des révélations absolument scandaleuses concernant cette officine Fact and Furious. Et donc là, maintenant, le terme saillant, c'est mafia. Vraiment, je ne vois pas d'autres termes. En tout cas, réseau organisé. Carrément mafia, vous dites. Oui, oui, réseau organisé, oui, structuré, oui. Pour pratiquer ce que Montaigne appelait la tyrannie parlière, ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme intellectuel. Et je vais bien sûr vous donner des détails absolument factuels de ce
cela. Mais donc, le fact-checking, normalement, c'était pour éviter qu'on vous dise que quelqu'un était mort alors qu'il ne l'était pas, par exemple. Ouais. On vous annonce sur les réseaux la mort de quelqu'un alors qu'il ne l'est pas. On avait eu, par exemple, le décès de Luc Montagnier, qui avait été révélé par François, et il y avait eu certains fact-checkers qui avaient dit « Non, c'est faux, il n'est pas mort. » Bah si, Luc Montagnier était décédé, simplement il avait donné la primeur de cette information à François. Mais les fact-checkers, à l'époque déjà, s'étaient couverts de honte en disant « Non, non, nous n'avons, nous ne savons pas, etc. » Donc au départ, le fact-checking, c'était ça. Bien sûr, après, on avait les problèmes de l'information de guerre. Vous savez, le journalisme jaune par lequel les États-Unis sont entrés en guerre contre l'Espagne pour Cuba au début du XXe siècle. Et puis, on avait aussi le journalisme financier, à savoir, est-ce que telle banque est en faillite ou pas? Il existe des rumeurs, fact-checkons pour vérifier si telle ou telle organisation va piquer du nez à l'ouverture des marchés. Donc, à l'origine, c'était ça. Ouais. Ça servait à cela. Et puis, petit à petit, ces gens-là se sont rendus compte qu'ils avaient une influence considérable, qu'ils étaient capables de stigmatiser des populations, de stigmatiser des personnes en leur collant des étiquettes. Et ce qu'a révélé le scandale Fact and Furious, c'est un réseau très organisé qui s'est affranchi de toute déontologie journalistique et qui est structuré pour coller à telle ou telle personne des étiquettes précises en vue de les reprendre dans la presse et en vue de les reprendre dans Wikipédia. D'accord. Donc, eux seraient repris dans Wikipédia, c'est-à-dire que ce bureau ou cette officine, la presse les reprend sans vérifier. Absolument. Oui. Absolument. Aucune des diligences, les diligences les plus élémentaires, les vérifications justement, qui va fact-checker les fact-checkers, aucune des diligences les plus élémentaires n'a été faite pour essayer de comprendre ce qu'il y avait derrière Fact and Furious. Et cette officine s'est retrouvée du jour au lendemain au cœur des systèmes de lutte contre la désinformation français avec l'AFP, commissionné par l'AFP, avec un agrément de la commission paritaire pour les organes de presse délivré par le ministère de la Culture. Cette structure a été reprise par une quinzaine d'organismes de presse. Ça va de l'Express, ça va à un journal controversé qui n'a pas d'édition papier en Suisse qui s'appelle Heidi. Ça a été vraiment tentaculaire. Ouais. Cette organisation s'est mise à être reprise alors qu'elle était complètement bancale. Et il y a eu une alerte qui a été lancée par la femme du président et du fondateur. Il s'avère que cette alerte a été lancée parce que cette femme, cette lanceuse d'alerte, Malika Daoust, a été battue et menacée de mort. Elle a porté plainte. Elle et sa fille, d'ailleurs. Nous avons, dans notre enquête, constaté les procès-verbaux. Nous avons constaté les certificats médicaux remis par le médecin constatant médicalement une ITT supérieure à 8 jours. Vous savez que c'est consacré dans la loi quand l'ITT est supérieure à 8 jours à la suite de violences aggravées. Et c'est ce que la plainte a représenté. Mais nous ne sommes pas là pour, contrairement à certains autres journalistes d'ailleurs, comme disait Oscar Wilde, hein, au lieu d'accaparer le siège du juge, certains journalistes devraient se confondre en excuses sur le banc des accusés, eh bien nous ne sommes pas là pour faire un jugement pénal. L'affaire pénale appartient au tribunaux pénaux. Mais elle suit son cours. Elle suit son cours. Mais par ce fait, par ce cas, le fait que Malika Daoust porte plainte, qu'elle soit menacée de mort, eh bien ça a ouvert une enquête. Nous avons enquêté, mais qu'est-ce que c'est que Fact and Furious? Il y a quoi derrière? Vous savez, c'est exactement comme si vous aviez eu une banque qui blanchissait de l'argent aux Bahamas, par exemple. Vous savez, c'est très à la mode en ce moment avec l'affaire FTX, etc. Certes. Eh bien, vous avez une banque qui blanchissait de l'argent aux Bahamas, mais personne n'avait enquêté dessus. Par contre, vous avez le banquier qui tabassait sa femme et sa fille. Et donc ça a amené une enquête. Ouais. Et donc leurs articles étaient pris pour parole d'évangile, sans qu'aucun de ces médias ne fasse les vérifications les plus élémentaires. Et je vous le dis, c'est vraiment comme un scandale bancaire, parce que vous avez un banquier escroc aux Bahamas qui a des titres pourris, qui a des faux bons du Trésor, et qui les distribue dans toutes les banques. Et là, vous vous rendez compte qu'il y a plein de banques qui ont ces faux bons du Trésor chez elles et qu'elles les ont dans leurs dépôts. Mais vous vous rendez compte que on le découvre parce que ce banquier tapait sa femme. Et c'est vraiment ça qui s'est passé. C'est-à-dire, le président de Fact and Furious n'a été passé à la loupe parce qu'il y a eu cette histoire conjugale, c'est ça. Exactement, une histoire grave. Hein. Là, ça va au-delà du conjugal. Là, on entre dans le pénal. On parle vraiment d'une plainte. C'est pas il divorce. C'est pas un adultère, vous voyez. Oui, mais Idriss Aberkane. Moi, je voudrais vous donner un exemple personnel. Par exemple, j'ai consulté. Je regarde jamais ça, mais quelqu'un m'a dit tiens, va regarder ta fiche Wikipédia. Hein, Wikipédia, c'est encore une chose. C'est là beaucoup de gens consultent Wikipédia quand on veut se rendre
renseigner sur vous, on regarde en principe d'abord Wikipédia. Et moi, je parle d'un cas personnel, hein. C'est marqué André Berkoff, et c'est marqué en gros, en gras, complotisme ou complotiste, etc. Et je défie quiconque de me trouver une phrase, une parole ou un écrit qu'on peut dire complotiste. Mais au-delà de ça, comment ça se passe tout ça? Alors, je dis pas que Wikipédia est un orgasme de fact-checking, ça n'a rien à voir. Mais comment ça arrive? Comment ça circule tout cela? Eh bien justement, c'est la fabrique de la stigmatisation. Ces organismes de fact-checking sont là pour fabriquer de fausses preuves qui vont être blanchies, exactement comme une fausse banque a des faux bons du trésor. Oui. Donc imaginez toujours dans cette métaphore, vous avez une banque qui a des faux bons du trésor aux Bahamas, elle va les distribuer dans plein d'autres banques. Et oui, ces banques vont les accepter. Donc du coup, ces faux bons du trésor vont devenir des vrais parce qu'ils ont été acceptés par de grandes banques. Mmh. Et bien là, c'est la même chose. Fact and Furious, j'insiste, l'enquête a révélé que rien n'allait dans cette organisation. Son président était quelqu'un de violent, qui avait été sanctionné à l'armée, mis aux arrêts pour des faits de séquestration d'une immense gravité. Malika Daous, son épouse, a été victime de violences aggravées constatées par médecin avec qui elle était supérieure à 8 jours et dépôt de plainte pénale. Elle nous a confié aussi, ça nous n'avons pas encore pu le vérifier, elle nous a confié que selon elle, il lui avait dit qu'il avait été aussi condamné à de la prison avec sursis. Ça, c'est ce qu'elle a déclaré. Mais nous, on a pu voir en tout cas les violences aggravées, on a pu voir le fait d'avoir été mis aux arrêts pour séquestration quand il était à l'armée. Ce personnage, ce président de Fact and Furious, avait été interdit bancaire 2 fois. Mmh. Et ben du jour au lendemain, son auto-entreprise devient une société par action simplifiée unipersonnelle, une SASU, obtient l'agrément CPPAP, l'agrément pour être reconnu comme organe de presse. En un mois, obtient des accords avec l'agence France Presse, fait partie d'un réseau dit de Désinfox, le réseau de lutte contre la désinformation, avec l'agence France Presse et Google et d'autres organisations. Et du jour au lendemain, ce personnage vraiment pas net, ultra sulfureux, se retrouve blanchi. Et les billets que vont fournir son officine, parce que c'est une officine, les billets que vont fournir son officine se retrouvent blanchis dans la presse. Oui, se retrouvent dans Idriss Aberkane, moi je ne veux pas faire l'avocat de Daoust, évidemment. Mais oui, mais vous pouvez dire, attendez, ils peuvent se comporter de façon tout à fait lamentable, et plus que ça, dans la vie privée, mais est-ce que ça veut dire pour cela que son fact-checking, son étude sur l'information, elle est peut-être bonne, et peut-être qu'il soulève des lièvres? Justement, quand on fait une diligence, on regarde la personne physique et la personne morale. Ouais. Donc, on regarde la personne physique. Bon, ce monsieur Antoine Daou a un passé de violence, etc. Mais en plus de ça, n'a pas de qualification journalistique particulière. C'est un barman. Littéralement, c'est un barman. C'est très bien d'être journaliste citoyen. Et j'encourage le journalisme citoyen. Mais j'aimerais que l'AFP et que la commission paritaire donnât, elle aussi, des agréments à tous les journalistes citoyens. Or, qu'est-ce qui se passe quand un journaliste, si un barman aujourd'hui veut devenir journaliste citoyen et faire du fact-checking, vous voyez l'agence France Presse le saluer? Vous voyez la commission paritaire lui donner un agrément? Bien sûr que non. Ensuite, concernant sa personne morale, les entreprises qu'il a créées. Écoutez, interdit bancaire 2 fois, une auto-entreprise qui devient une SASU et qui n'a que 1 mois d'existence avant d'obtenir ses contrats. Non, ce n'est pas régulier. Ce n'est pas normal. Et d'ailleurs, c'est unique. Ça n'était pas arrivé avant. Ça n'aurait pas dû arriver. Concernant le contenu, bah, sans surprise, le contenu ne respecte absolument pas la charte de Munich 1 fois sur 2. Et on l'a vu sur beaucoup d'articles que nous avons passés au crible. J'avais moi-même, d'ailleurs, fact-checké, justement, un des articles de ce Daous qui avait attaqué Raoult, qui avait attaqué Didier Raoult. Et j'avais fait une analyse complète en disant c'est n'importe quoi et en montrant point par point. Elle était disponible sur mon site à l'époque. Donc non, même de ce point de vue-là, rien n'allait. Mais pour répondre à votre question sur Wikipédia maintenant, eh bien c'est ça le principe. Vous voulez étiqueter quelqu'un. Vous voulez donner à quelqu'un une étiquette pour le discréditer. C'est ce que les Américains appellent la character assassination. C'est une pratique qui date de la guerre froide, qui était connue pendant la guerre froide. Elle a eu lieu d'ailleurs notamment avec l'opération Mockingbird, qui a été révélée. Il y a des journalistes sérieux aux États-Unis qui ont révélé l'opération Mockingbird, par laquelle la CIA était intervenue sur des agences de presse américaines. Et cette opération est complètement déclassifiée aujourd'hui. Elle n'a rien de complotiste. Mais vous voulez coller une étiquette à quelqu'un. Alors moi je dis, voilà, X ou Y, le professeur Raoult par exemple, j'ai envie de dire que le professeur Perron est anti-vax. Bon, bah, je vais vous commander, alors ce qui est faux, le professeur Perron a été le vice-président du plus gros programme de vaccination de l'OMS, je veux dire, c'est complètement faux d'un point de vue scientifique. Oui. Et je commande à quelqu'un, je commande un article, c'est ça? C'est ça. Ouais. Et une pratique d'ailleurs qui avait déjà été révélée par Fakir, hein, le petit journal indépendant. Et donc, vous voulez commander une étiquette à vie. Pas pour un mois, hein. Vous voulez une étiquette, vous voulez commander une étiquette à vie qui va même survivre à la personne,
Parce que vous prenez la page Wikipédia, par exemple, de Luc Montagnier, elle lui survit aujourd'hui. Ouais. Donc, vous êtes là, vous êtes le pouvoir, et vous dites, moi, ça m'ennuie quand même, ce que dit le professeur Perron, ça commence à m'ennuyer beaucoup. Alors, j'aimerais, si ça vous dérange pas, qu'à la fin du mois, il soit étiqueté anti-vax. Très bien, monsieur, on s'en occupe. Et c'est ce qu'a révélé Malika Daoust. Parce que, comme je vous le disais, au-delà du scandale des violences conjugales. Je rappelle que Malika Daoust a alerté l'agence France Presse. C'est ça aussi qui est gravissime. Elle alerte l'agence France Presse. Elle leur dit, vous savez, je suis victime de violences conjugales. L'agence France Presse immédiatement contacte Antoine Daoust et lui dit, vas-y mollo Antoine. Oui, c'est là, on sort du cadre. On sort du cadre simplement de la vie privée. Ouais. Oui, oui, on sort du cadre de la vie privée, là. On est dans le pénal. On a l'agence France Presse qui sait que cette personne est, déclare être victime de menaces de mort et qui lui dit, vas-y, mollo Antoine. Je reprends donc le mécanisme. Vous voulez stigmatiser quelqu'un en lui collant l'étiquette anti-vax. Eh bien, vous avez une agence de fact-checking comme Fact and Furious. Qui d'ailleurs travaillait comme d'autres d'ailleurs, exactement comme d'autres, et on va y revenir parce que ce que révèle le scandale Fact and Furious, c'est que bien entendu d'autres officines fonctionnent dire, de cette façon. Ouais. Et d'ailleurs, Malika Daoust nous a dit que le président de Fact and Furious, Antoine Daoust, prenait des ordres. Elle a témoigné, elle a dit, il prenait des ordres, il ne faisait rien sans contacter un réseau, un directeur de la rédaction ne fait pas ça normalement. Le principe même de la presse libre est de ne pas faire ça. Et Malika Daoust nous a dit, il prenait des ordres, notamment d'un certain Rudy. Et je peux dire clairement que dans notre enquête aujourd'hui, le suspect numéro un est Rudy Reichstadt. Est-ce que les fact-checkers ont les moyens de le faire ou ils le font dans une espèce d'arbitraire plus ou moins total en fonction ou de leur idéologie ou de leur commanditaire? Alors, sans le moindre doute, nous pouvons vous affirmer que de l'enquête que nous avons menée en parallèle, François et moi-même, et donc l'enquête sera publiée complètement sur François. Moi, j'ai débriefé Malika Daoust, la témoin principale, sur ma chaîne. La vidéo est disponible sur ma chaîne. Oui. Et François publiera donc les preuves écrites, publiera les procès-verbaux, etc. Mais sans le moindre doute, on peut vous confirmer que le travail de Fact and Furious était majoritairement commandé, avait des buts idéologiques, n'était ni neutre, ni objectif, et encore moins indépendant. Il était présenté comme indépendant, mais il ne l'était pas. Et ça, nous en avons les preuves, à commencer par le fait que l'agence France Presse a protégé Antoine Daoust quand sa femme a lancé l'alerte. Il faut être très clair. Ces agences de fact-checking ne sont pas des agences de fact-checking, elles sont là pour coller des étiquettes aux gens. Elles sont là pour avoir un article, et c'est un blog, hein, Fact and Furious concrètement, c'est un blog avec un financement très opaque, avec des dons bizarres, avec une boutique en ligne qui vend des mugs, tout ça encore est très 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 flou. Mais ce blog écrit un article, donc disons, je veux que André Bercoff demain soit étiqueté complotiste. Eh bien, qu'est-ce que je fais? Je commande à Fact and Furious, je dis, ça serait bien que tu dises que André Bercoff est complotiste. Ok, ensuite on a un autre journal, très plus sérieux, donc on pense à l'AFP, on pense à l'Express, même si le sérieux de l'Express a été considérablement entamé dans les trois derniers mois. Et ce journal va écrire « Ah, nous, on a lu dans Fact and Furious que André Bercoff était complotiste. Ouais. » À partir de là, le lendemain, c'est dans Wikipédia. Parfois même, pas besoin de passer par l'Express. Ça passe directement par Fact and Furious et ça arrive dans Wikipédia direct. Et après, une fois que c'est sur Wikipédia, c'est à vie. C'est à vie, c'est écrit de vous à vie. Et ça, c'est du caractère assassination. Ça, c'est commandé par le pouvoir pour discréditer des gens. Et c'est comme ça qu'on obtient que, eh bien, le professeur Perron est anti-vax, c'est un mensonge. C'est comme ça qu'on obtient que le professeur Raoult est complotiste, c'est un mensonge éhonté, qui n'a pas la moindre base factuelle. Mais ce sont des agences de fact-checking qui vont l'écrire et leurs mensonges vont être blanchis ensuite par ces structures. Et pour terminer, un point essentiel. Malika Daoust a révélé qu'Antoine Daoust était en contact très fréquent avec qui? Karine Lacombe. Laquelle Karine Lacombe vient d'échapper à une condamnation ferme pour diffamation. Le docteur Karine Lacombe, oui. Oui, elle a plaidé la bonne foi. Oui. Elle a dit, alors le tribunal a reconnu qu'elle avait porté atteinte à l'honneur et à la considération du professeur Raoult, mais le tribunal a dit, elle était de bonne foi, elle a plaidé l'exception de bonne foi. Même, elle a menti de bonne foi, quoi. C'est ça. En tout cas, elle a diffamé de bonne foi. C'est ce que ça veut dire. Ouais. Ce que signifie le tribunal, c'est elle a diffamé de bonne foi. Ouais. Or, ce qu'a révélé Malika Daoust, c'est qu'elle était en contact permanent avec cet Antoine Daoust ultra sulfureux, dont lui-même, on sait aujourd'hui qu'il avait des commandes pour aligner des gens. Alors, comme vous le savez peut-être, à Mayotte, qui est un territoire français, donc Mayotte, il y a des bandes de jeunes qui
terrorisent la population. Ces bandes de jeunes sont armées de machettes et masquées. On se croirait au Liberia en 1992. Alors j'ai fait une sélection de diverses radios et chaînes de télévision sur cet événement. Regardez ça. Des scènes de chaos, des mains coupées, Mayotte a été secouée par des violences extrêmes, à tel point que Paris a décidé d'envoyer le RAID. Alors Mayotte, 101e département français, il se trouve dans l'océan Indien. Bienvenue Estelle Youssoufa. Merci. Vous êtes députée mahoraise. Alors vous avez même dénoncé un risque de guerre civile. On en est là aujourd'hui pour vous? Oui, je pense que la situation est grave au point que la population pense à se faire justice elle-même. On se sent abandonné. Il y a des créations de ministres. Il y a des créations de ministres, mais surtout face à la violence qu'on subit, qui est quotidienne. Hein. C'est des émeutes chaque jour, des barrages avec des hordes de centaines de jeunes clandestins comoriens en situation irrégulière qui, entre 12, 13, 14, 15 ans, armés de machettes, de cailloux, de tout ce qu'ils peuvent, et qui agressent, qui pillent, qui tuent. Face à ça, la réponse policière, mais surtout judiciaire, n'est pas à la hauteur. C'est-à-dire qu'il y a très peu d'arrestations, très peu de condamnations. Donc il y a un sentiment d'impunité qui, pour moi, explique l'escalade, puisqu'on est passé, il y a 10 ans, il n'y avait pas une seule violence sur les personnes à Mayotte. Vol avec violence en 2021, en hausse de 263% depuis 2008. Alors on va revenir sur les différentes causes possibles. Voilà, mais je le disais, le RAID a été envoyé oui. sur... dans l'île, à Mayotte. Est-ce que vous avez un retour? Est-ce que la situation s'est calmée? Alors, la présence du RAID vise à procéder aux arrestations des chefs de gang. Donc, nos crapules, nos terroristes connaissent la chanson, c'est-à-dire que le RAID n'est pas basé à Mayotte. Ils viennent, ils travaillent et puis après ils repartent. Vous parlez les bandes de jeunes là, de 100, 200, 300 jeunes qui sèment la terreur à Mayotte, ils connaissent la chanson. Le RAID vient, travaille et puis repart. C'est pour ça que nous on demande à ce que le RAID et GIGN soient basés à Mayotte. Parce que dès qu'ils auront décollé, ça repartira en violence. Nous sommes aussi avec le maire de Mamoudzou dans un instant. Et puis la journaliste rédactrice en chef au journal de Mayotte, Anne Perzeau-Lafont, bonjour. 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 Quelle est la situation? Parce que quand on décrit en fait les choses, parfois quand on lit ce qui se passe sur l'île, on se dit c'est incroyable, c'est un véritable chaos avec des gens qui se déplacent parfois avec des machettes, avec des règlements de compte entre bandes. À peu près, vous voulez sortir le soir et aller dans un restaurant, vous pouvez très bien être arrêté par un barrage de jeunes ouais. qui vont taper la voiture avec des machettes extrêmement violents, avec une violence que rien ne semble arrêter. C'est de la barbarie. Ouais. Et qui sont ces jeunes précisément? Parce qu'on dit que l'île a été submergée par une vague migratoire et que 50% de sa population est étrangère et en situation irrégulière. Alors, la moitié de la population de Mayotte est étrangère et la moitié de cette population étrangère est en situation irrégulière. Ouais. Ce qui se passe, c'est que quand des étrangers en situation irrégulière sont interpellés, ils sont reconduits à la frontière, donc c'est en juin, une île des Comores, et en fait, ils ne signalent pas, ou quand ils le signalent, ce n'est pas pris en compte, qu'ils ont des enfants sur le territoire. Ils contactent un cousin éloigné, un oncle éloigné, et ouais. qui dit... de bonne foi, souvent, oui, je vais prendre en charge cet enfant, mais eux-mêmes sont à la tête de familles très nombreuses, s'occupent de moins en moins de l'enfant, ne leur offrent plus le gîte, le couvert, encore moins l'affection, qui est un des droits de l'enfant. Et donc, en fait, ces enfants tombent en errance et créent des bandes. Et après, c'est très facile de réquisitionner dans ces bandes des jeunes qui sont scolarisés, qui sont malléables. Et donc, en fait, il y a des jeunes en situation régulière, enfin, dont les parents sont en situation régulière, des jeunes français aussi, mais ouais, voilà comment ça se passe. Et il y a un gros problème à Mayotte, c'est que du coup, ces jeunes, comme c'est interdit d'expulser des mineurs, la préfecture les rattache à des adultes expulsés qu'ils ne connaissent pas, et ce qui fait qu'il y a des rappels à l'ordre de la défenseur des droits des enfants, et, ouais. Et il n'y a pas de solution. Surtout, ce que je voudrais dire, c'est que ces jeunes, ces centaines de jeunes qui commettent ces exactions ne sont pas interpellés. Et ouais. c'est pour ça que tout le monde compte le RAID, il n'y a pas d'interpellation. Territoire oublié de la République, Mayotte, Eric Melot. C'est loin de la métropole, mais c'est la France à part entière, donc ça nous concerne pleinement, et ça nous concerne d'autant plus pleinement que ce que disait cette députée, on l'entend pour d'autres territoires.
territoire perdu de la République, ce qui existe à Mayotte. Évidemment, il y a les particularités locales, mais enfin, ça ressemble beaucoup à d'autres situations en France. Mais moi, je pose une question très simple. Pour en arriver à la présence d'un étranger sur deux à Mayotte, il a fallu combien de temps? Ils sont arrivés les dernières 24 heures? Est-ce que c'est pas une situation qui a pourri lentement, qu'on a laissé pourrir, parce que tant que ça fait pas, voilà, c'est encore le pas de vague, tant que ça ne fait pas des vagues vraiment démesurées, tant qu'il n'y a pas des actes de violence encore démesurés, eh bien, on décide de fermer les yeux, de ne pas agir. Et quand on décide d'agir, vous avez vu, même dans le ton du président de la République, on sent que ça va être compliqué, tout simplement, parce qu'on prend le problème à un stade trop avancé. Mais c'est toujours la même chose à Mayotte comme en métropole. Oui. Mais moi, je vais vous dire ce qui se passe à Mayotte. Des hordes d'hommes en groupe organisé, planifié, prémédité. Il se déplace 30, 50, 100 cagoulés. Il tue, il découpe les membres, il prend la main, il la met d'un côté, il prend l'autre main, il l'envoie dans un autre territoire, et le reste, il les expose sur la route. Comment vous appelez ça? C'est terrifiant, ça rappelle le Rwanda en 94. Philippe Bilger. Exactement, c'est ce qui se passe aujourd'hui à Mayotte. Raison pour laquelle nous disons et nous alertons. Et merci de nous donner la parole ici pour l'alerter le national. Que quand vous êtes Maoré, un peuple pacifique, un peuple accueillant, et que vous vous sentez oppressé, abandonné par la République, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qui est en train de se passer actuellement. Les gens s'organisent en autodéfense et là, on arrivera à la guerre civile. Philippe Bilger. Mayotte, c'est le Titanic de la politique migratoire en Outre-mer. Il faut se souvenir que Mayotte avait fait le choix de la France en 1974, puis le choix de la départementalisation dans le cadre d'une véritable assimilation républicaine qui était quand même assez admirable par rapport à son passé afro-musulman. Et que constatons aujourd'hui? Que en fait, il y a un phénomène d'immigration, colonisation et prédation des Comores en Mayotte. C'est-à-dire qu'en fait, les Comoriens, parce que c'est les chiffres que vous citez, l'autre moitié de la population, c'est-à-dire cette moitié d'immigrés, ce sont des Comoriens. Même archipel, on le voit voilà. sur cette carte. Et donc ces Comoriens se comportent en fait à Mayotte dans le cadre d'un comportement néocolonial, en quelque sorte, pour récupérer Mayotte en désinguant finalement l'autorité française, l'identité française. Je crois que ce qui se passe à Mayotte, c'est notre destin. C'est-à-dire que ce que nous constatons aujourd'hui en métropole avec 10 ou 15% d'immigrés, eh bien, lorsque la proportion d'immigrés atteindra ce qu'elle atteint à Mayotte, voilà ce qui nous attend. Ludovine de la Rochère. Juste un dernier mot, il y a 150 000 immigrés clandestins à Mayotte. Là, il faut une opération militaire d'envergure pour se débarrasser du problème. Les forces de l'ordre, je crains qu'elles ne soient pas assez suffisantes. À l'Assemblée nationale, l'on a voulu réintégrer les soignants qui avaient été exclus de l'hôpital public parce qu'ils ne voulaient pas se vacciner. Eh bien, cette question a été complètement oblitérée par les macronistes. Complètement. Réaction d'Olivier Marleix, des Républicains à l'Assemblée. Le spectacle auquel nous venons d'assister dans notre Assemblée est assez consternant et je crois assez grave pour notre démocratie. Nous sommes sur un débat important, attendu par des dizaines de milliers de nos compatriotes, soignants ou autres, ou familles de soignants qui attendent ce débat sur la réintégration, usagers parfois des services publics, qui attendent ce débat sur la réintégration des personnels. Depuis ce débat, il est d'autant plus légitime, messieurs les ministres, que la France est un des tout derniers pays en Europe, avec la Grèce, je crois, à ne pas avoir encore réintégré les personnels soignants. Cette anomalie mérite à elle-même le débat que nous avons aujourd'hui. Or, voilà que la minorité gouvernementale, particulièrement, soyez respectueux de chacun dans cette assemblée, et pardon de vous rappeler les réalités arithmétiques. La minorité, étant particulièrement minoritaire ce soir, a été battue sur un amendement de suppression, et là, c'est l'affolement. C'est l'affolement dans les groupes Renaissance et Alliés. Et on assiste depuis à des manœuvres d'obstruction inacceptables. Manœuvres d'obstruction avec une centaine d'amendements déposés par les parlementaires de la majorité sur un amendement d'un de nos collègues, Philippe Juvin. Et pire que ça, et plus grave que ça,
plus grave que ça. Les ministres se sont livrés eux-mêmes à un exercice d'obstruction au travail parlementaire en déposant un amendement. C'est la première fois, c'est sans doute la première fois dans la Ve République qu'un gouvernement se prête à un travail d'obstruction pour empêcher l'Assemblée nationale de poursuivre son mission. Vous devriez effectivement avoir honte, messieurs les ministres, de vous être prêtés à ce jeu. Voilà. L'Assemblée, si la majorité est minoritaire, si l'Assemblée nationale ne vote pas comme vous le voulez, ce n'est pas à vous de voler à notre secours. Respectez l'Assemblée nationale. Merci. Monsieur Dupont-Aignan, lui aussi se bat pour ses soignants. Emmanuel Macron et sa bande, sa clique, sont prêts à tous les mensonges pour éviter de réintégrer et d'indemniser les millions de soignants non vaccinés qui manquent à la santé publique et à la santé privée en France. Hier soir, à l'Assemblée nationale, le gouvernement s'est livré à une obstruction indigne d'un gouvernement, parce qu'il était tout simplement en minorité. Il a déposé des centaines d'amendements pour paralyser l'activité du Parlement, parce qu'il était en minorité. Et puis, aujourd'hui, la propagande s'est abattue dans le pays. Ah, les aboyeurs de services, notamment sur BFM, Monsieur Neumann s'est livré à un mensonge incroyable. Trois mensonges. Premier mensonge, ils disent « ça ne concerne pas grand monde ». Mais ce n'est pas vrai. Ce sont des dizaines de milliers de soignants. Parce qu'il y a ceux qui ont été suspendus, le chiffre de 15 000 est avancé, mais il y a eu tous ceux qui ont pris leur retraite, qui ont abandonné parce qu'ils ne voulaient pas recevoir ces fameuses injections. Mensonge en invoquant le caractère scientifique. Il se retranche derrière la haute autorité, derrière les différentes organisations qui ne sont que leurs copains. Or, scientifiquement, il est prouvé aujourd'hui par Pfizer, même au Parlement européen, qu'il n'y a aucun empêchement de la transmission par le vaccin, et ni de la contagion. La preuve en est d'ailleurs que les 90% de Français qui ont été vaccinés ont réattrapé le Covid après. C'est donc une évidence. Et je vous renvoie à un site internet d'une université américaine, Johns Hopkins, Covid, où vous voyez que plus un pays a vacciné, plus un pays a des cas de Covid, plus un pays a un nombre de morts élevé. C'est sur le site internet, vous le regardez objectivement. Mensonge donc scientifique. Le vaccin ne protège pas, n'empêche pas la transmission. Et puis, troisième mensonge, dégueulasse, pardonnez-moi le terme, c'est de dresser les soignants les uns contre les autres en disant que les soignants vaccinés ne veulent pas voir revenir leurs collègues non vaccinés. C'est totalement faux, car beaucoup de soignants vaccinés, une fois ou deux fois, ne se sont pas fait vacciner une troisième ou une quatrième, parce qu'ils voient les effets secondaires des injections. Parce qu'ils voient que ça ne protège pas, parce qu'ils voient que c'est une immense escroquerie. Alors, Emmanuel Macron s'est exprimé ce soir en panique, parce que la vérité triomphe toujours. Et cet homme et sa clique devront être traduits devant la haute cour de justice. La haute cour pour mise en danger de la vie d'autrui, non-protection. Et pendant ce temps-là, eh bien, il continue la chasse aux sorcières contre les médecins, notamment de Réinfo Covid, qui prescrivent heureusement des médicaments qui soignent du Covid et qui sauvent des vies. C'est un sujet sur lequel je ne lâcherai rien. J'avais déposé moi-même une proposition de loi le 8 juillet 2022. C'est ma première proposition de loi. Sachez que l'on gagnera parce que la vérité triomphe toujours du mensonge. La droiture triomphe toujours du cynisme et de la malhonnêteté. Madame Hidalgo, maire de Paris, est dans l'embarras. Va-t-elle pouvoir finalement organiser ces Jeux Olympiques? Ah, en 2024.
Bonjour ma chère Catherine. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Saisi par Madame Hidalgo, le tribunal administratif a tranché en faveur de la préfecture de police qui s'opposait à son projet d'aménagement des abords de la Tour Eiffel en vue des Jeux Olympiques. La mairie accuse le préfet, Paris risque de ne pas être prêt pour l'événement. Oui, en fait, Madame Hidalgo dénonçait un excès de pouvoir de la préfecture de police, plus précisément du préfet Didier Lallemand, sa bête noire. Mais vous savez qu'en 2017, sous la présidence Hollande, une loi a confié au maire de Paris la responsabilité de la circulation, de la verbalisation du stationnement et des fourrières. Seuls 20% des voies de circulation jugées structurantes restaient sous le contrôle du préfet de police, qui demeure l'exécutif du Conseil de Paris sur les sujets de sécurité, et c'est à ce titre qu'il y siège. Il n'y est pas le représentant de l'État, comme certains le croient. Est-ce que le préfet Lallemand a dépassé ses prérogatives ? Non, parce que tout ce qu'il y a autour du Trocadéro et de la Tour Eiffel est dans sa compétence. Madame Hidalgo refuse d'en tenir compte. Moi, je dirais plutôt que l'abus de pouvoir, c'est elle. Son projet, végétaliser tout l'espace entre le Trocadéro et l'école militaire, y compris le pont, les voies de circulation, ce qui veut dire que pour aller de Neuilly à Vincennes, on ne pourrait plus passer par le centre de Paris. Donc, un gros risque d'embolie de tout le trafic dans la capitale, ce qui priverait le préfet, dont la mission est la sécurité des Parisiens, d'organiser rapidement des secours en cas d'attentat, de crise sociale violente, d'incendie. D'ailleurs, on l'a vu au moment de celui de Notre-Dame, les pompiers ont eu bien du mal à arriver. En réalité, Madame Hidalgo veut se servir des Jeux Olympiques pour réduire plus encore la circulation automobile. Elle est l'anti-Haussmann, lui ouvrait la capitale, elle joue l'étouffement. Voilà, sa conception est très idéologique. Ça doit être la ville du quart d'heure, tout à proximité et on se déplace à vélo. Bon, est-ce que l'ouverture à temps des Jeux Olympiques est compromise, hein ? Bon, non, c'est vrai qu'elle comptait sur ces nouveaux espaces du Trocadéro Tour Eiffel pour la distribution des médailles. Mais pour la préfecture de police, le grand souci, c'est la cérémonie d'ouverture. Les délégations, une centaine, vogueront sur la Seine, à bord de péniches, depuis la Tour Eiffel jusqu'à l'île de la Cité. Or, la Seine est un fleuve, il peut y avoir des turbulences. Et puis, une ouverture des Jeux Olympiques en zone ouverte est une première. Toutes les cérémonies ont toujours eu lieu dans des stades fermés, car plus facile à contrôler. Et c'était beau de regarder des athlètes défiler bien droit derrière le drapeau. Là, ils seront assis, c'est pas très sportif. Et puis, imaginez les effectifs de police qu'il va falloir mobiliser pour tout surveiller, car ceux qui ont des revendications pourraient avoir des idées. La Concorde sera transformée en stade, ce qui veut dire que ses abords seront interdits à la circulation. Des voies sur le périphérique seront réservées aux seuls athlètes. Alors, sortir ou entrer dans Paris va devenir un cauchemar. Un projet fou qui a été soutenu par François Hollande. Mais rappelons que Madame Hidalgo l'a emporté parce qu'elle était la seule candidate. D'autres capitales avaient renoncé à cause du coût trop cher. Une nouvelle absolument extraordinaire. Persévérance. Le robot Persévérance a réussi à trouver, paraît-il, de l'eau sur Mars. La planète rouge où les preuves de vie s'accumulent. Le robot Persévérance a recueilli plusieurs échantillons aussitôt analysés par les chercheurs. Selon plusieurs publications scientifiques, les roches récupérées confirment qu'il y a bien eu de l'eau sur Mars. Autant d'indices effectivement qui alimentent l'hypothèse d'une preuve de vie sur la planète rouge. Alexis Guilleux, vous êtes le correspondant d'Europe 1 aux États-Unis. Oui, des molécules favorables à la vie, des composés organiques seraient contenus dans presque tous les échantillons martiens récupérés par Persévérance. Il s'agit de roches volcaniques qui montrent que de la lave a rencontré l'eau à plusieurs reprises. Cela fait maintenant un an et demi que Persévérance voyage autour de ce cratère nommé J0 à la recherche de signes de vie. Et d'après l'une des études, les roches de ce cratère ont connu trois événements distincts au cours desquels elles ont été exposées à de l'eau. Une aubaine pour les scientifiques, car plus le passé aquatique de Mars est riche, plus les chances de trouver des traces de vie organique sont élevées. Les scientifiques cherchent maintenant à savoir combien de temps l'eau est restée sur Mars. Plusieurs millions d'années sont nécessaires pour voir émerger des formes de vie complexes. Alors il faudrait être patient avant d'avoir des analyses plus poussées. La NASA et l'Agence spatiale européenne doivent envoyer un autre vaisseau sur Mars pour récupérer ces échantillons, qui sont donc attendus sur Terre au début des années 2030, après un interminable voyage-retour d'au moins 7 mois. Alors une critique que j'approuve entièrement sur la nouvelle revue du Front Populaire qui va sortir le 3 décembre, je crois.
parler aujourd'hui de deux Michel plutôt célèbres et qui ont de bonnes idées. Enfin, qui ont des idées, qu'on les juge bonnes ou pas. Je veux bien sûr parler de Michel Onfray et de Michel Houellebecq, qui dialoguent ensemble dans le hors-série de la revue Front Populaire. Alors, j'ai pu lire en avant-première cette conversation exceptionnelle qui paraîtra la semaine prochaine. C'est vraiment une belle idée d'avoir uni ces deux esprits. D'un côté, l'écrivain, qui décrit avec une précision chirurgicale la solitude des individus dans la société postmoderne. De l'autre, le philosophe, qui a conceptualisé le déclin d'un Occident vidé de toute transcendance. Alors, vous allez me dire, deux déclinologues qui débattent de la fin de notre civilisation sur 45 pages, il y a de quoi se passer la corde au cou. Eh bien, pas du tout. C'est absolument passionnant. Ils parlent de tout, la démographie, le christianisme, l'islam, Elon Musk, le transhumanisme, De Gaulle, Dieu, la corrida, l'Union européenne, le tourisme, le péché originel, le grand remplacement et même le Seigneur des Anneaux. Quel programme ! Une conversation éclectique où la liberté de ton côtoie la profondeur de champ, où le savoir encyclopédique d'un Michel Onfray fonctionne à merveille avec l'humour corrosif d'un Michel Houellebecq. Alors, est-ce qu'il y a des sujets sur lesquels ils sont en désaccord ? Oui, et pas des moindres. Dieu d'abord. Houellebecq dit qu'il n'est pas athée mais agnostique. Qu'en l'état actuel des sciences astrophysiques, on ne peut pas déterminer si un grand architecte a conçu ou pas l'univers. Pour Onfray, c'est réglé. Dieu n'existe pas. L'euthanasie ensuite. Houellebecq est contre. Il pense que la douleur physique n'est plus un problème grâce à la morphine. Onfray, lui, est pour. Il raconte, et c'est assez émouvant, comment en 2013, il a aidé sa compagne, avec qui il a vécu pendant 37 ans, qui était atteinte d'un cancer, à mourir. La chasse, enfin. Onfray est contre. Il considère que tuer les animaux est, je le cite, une passion triste. Tandis que pour Houellebecq, je le cite aussi, une bête abattue par un chasseur, c'est un animal tué par un prédateur plus rusé. C'est la vie. Ça ressemble à une définition de la chasse. Ils se retrouvent tout de même sur l'essentiel, ces deux-là. Oui, hein. Oui, alors, et notamment leur rejet commun de l'Union européenne, c'est leur bête noire à tous les deux. Houellebecq est absolument contre. Onfray est même partisan du Frexit. Houellebecq lui propose l'élection des juges par les citoyens et un référendum sur le budget de l'État. Alors, vous êtes comme moi en fait, vous êtes populiste, lui lance Onfray. Et Houellebecq de répondre, ça me va. De droite, j'ai des doutes, mais populiste, ça me va. Alors au moment où l'on ne cesse de fustiger la rupture entre les élites et le peuple, que deux des intellectuels français les plus connus se disent populistes, je trouve ça intéressant. Est-ce que tous les deux ce sont des prophètes ? Comme prophète, j'ai toujours trouvé que j'étais un peu surévalué, dit Houellebecq, qui rappelle qu'il avait vu un truc juste dans Soumission en 2015. J'avais deviné que l'université serait l'un des premiers lieux de collaboration avec l'islamisme. Ce n'était pas évident à l'époque, le mouvement woke n'existait pas encore en France. Quant à Onfray, il dit que la guerre civile n'est pas à venir, mais déjà là, à bas bruit, pour qui veut bien la voir. Alors je ne sais pas si ces deux-là sont prophètes, je n'espère pas d'ailleurs, mais ce sont en tout cas deux grands esprits français, profonds, déliés, puissants et surtout libres. C'est une conversation formidable de la revue Front Populaire. Vous pouvez, elle sort la semaine prochaine, vous pouvez déjà la précommander sur le site de la revue. Et puis à mon tour de vous recommander quelques lectures. D'abord la lettre d'Omerta, qui va être une lettre hebdomadaire. Moi je trouve que ce média se développe très très bien. Bravo à Omerta. Dans Valeurs Actuelles, un article de François d'Arcival sur une possible sortie de cette guerre d'Ukraine. Également un article sur l'Arménie, la guerre complètement oubliée des Européens. Et surtout, un numéro spécial Manière de voir. Alors, que nous raconte ce numéro spécial de Manière de voir et comment l'ukrainien est devenu la seule langue officielle de l'Ukraine? Et comment l'Ukraine est arrivée à bannir Dostoïevski et Pouchkin? Bon, eh bien écoutez, à bientôt sur ma chaîne, n'oubliez pas le pouce, abonnez-vous. Salut!